Sissoko, à qui d'ailleurs il a donné les manettes de l'équipe dans les clubs de la place et dans tous les compartiments, il a fait, il a doublé le poste. Donc c'est très beau. Ah oui. On va donner rapidement la compo de la SEC Mimosa qui vient avec Sangaré Badrali comme gardien de but, Soumaoro Bangali, Mvondo Michel, Kofi Foba Steven, Zagbayou, assisté de Oussou Kouadjo et Goré Jean Orlin, Kofi Marcelin, Gloudoué Ange Barézi, capitaine d'équipe, Jobo Atu Herman. Voilà le gardien de la SEC Mimosa, Sangaré Badrali. Et c'est parti sous le sifflet de Moukoro Hubert. Et c'est la SEC Mimosa qui a le premier ballon récupéré par la Standard. On se dégage comme on peut et la balle va franchir la ligne de touche première. Vous avez vu, non, on en a eu écho et tout le monde s'accorde à dire que le football au Brésil, c'est une religion. Attention, et le premier but. Mon Dieu. Le premier but de Hugues Brazagbayou. Frappe limpide, il embarque toute la défense, frappe limpide du gauche. Et ça fait 1-0 pour la SEC Mimosa qui ouvre le score ici grâce à son capitaine. Hugues Brazagbayou, quel but! Oui. Alors qu'on parlait du mondial. Du mondial. Et il nous a ramené au stade Faubourg. Dei Maurice. Voilà. Un but à la Dei Maurice. Il supprime. Et surtout du pied gauche. Tout à fait. Parce que Dei Maurice perd son âme, c'est-à-dire qu'il avait pour habitude de contrôler. Soumaoro Bangali, il y a la paire de Sakanoko. Ça est toujours dans le dos. Le contrôle, Sakanoko réussit. Va lever la tête. Va chercher Kofi Foba Steven. On a la tête de Gloudoué Ange Barézi. Il y a Max Sekela à la course. Il n'y a pas d'enjeu. Okay. Un but de la SEC Mimosa. Très beau but. Un but de la SEC Mimosa, on a cru. Très et c'est Hugues Brazagbayou qui revient avec ce but. Belle combinaison. On a avec pensé à une position de hors-jeu. Non, et à la clé, pas de il y a ce but. Et ça, c'est du football. Avec, c'est parti de Max Sekere. Max Sekere. Et Sakanoko Koulis. Oui. Zagbayou est là. Zagbayou, on va pousser le ballon. Pénalty. Regardez voilà. Bien, Roger. Et il n'y a pas de position de hors-jeu parce qu'il y a tout. Un défenseur qui. Voilà. Très bien joué. Ah oui. Tegariba Mohamed. Pour Goré Jean Orlin, on va tricoter et c'est Zawobi à l'entrée de la surface de réparation. Et c'était bien joué. Quel tête. Pardon. On va changer de côté. Long ballon, la tête et c'est bien joué. S'il a contrôlé à l'entrée de la surface de réparation, il est entré. Le centre but. Non, il ne marquera pas. Et pourtant, le portier Koulibaly Ahmed était battu. On va revoir l'action. J'ai... Il fait le centre au premier poteau, il reprend le ballon. Il ne pourra marquer. Il aurait fallu qu'il pivote encore davantage pour mettre ce ballon, mais c'était pas facile au Ah oui. Kone Nabi, Takanoko, Mustapha, Traoré Moussa, Gloudoué, il a manqué son ballon. Kofi Foba Steven dans la surface de réparation, le crochet, le recrochet, il ne pourra. Kofi, Foba Steven et c'est Max Sekere. Quel but! Quel but du Ghanéen! Quelle frappe à mi-distance! Une frappe du gauche et deux, un troisième beau but, Yaya. Et troisième beau but. Et surtout encore Roger, un but auquel on ne s'attendait pas du tout parce qu'il est venu de je ne sais où et il a été repris du pied gauche. Ce qu'il n'a pas l'habitude de faire, Max Sekere. Tout à l'heure, vous veniez à peine de parler de lui, qu'il se signale à nous de la plus belle façon avec son pied gauche, le pied qui lui sert à monter dans le bus. Comment oh là 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 là. Qu'est-ce que ce fut beau, qu'est-ce que ce fut beau. Et cela est au crédit de... Kofi Foba Steven. De Bibiche. Bravo Bibiche, qui a joué l'art de façon collective. Parce qu'il aurait pu continuer dans ses crochets pour s'entremêler les pieds. Et quand...